Assiégés par leur public, Section d'Assaut est contraint de chanter avec un porte-voix. Ils ont l'air bluffés de l'enthousiasme qu'ils suscitent. Ce sont des copains de quartier qui se sont rencontrés très jeunes. Bonjour. C'était mon collège ici. Et les autres venaient me chercher ici, donc entraîner ici. C'est ici que j'ai rencontré James. Il m'a fait son premier salto. Ici, là. Sur ce truc-là. Tu peux le refaire ou... Sur ce truc-là. En fait, je suis monté. Tu foutras, c'est sûr. Je suis monté comme ça. Il est impressionné. Attendez. Comment je peux remonter? Je suis monté comme ça. Voilà. Je les ai impressionnés, tu vois. Là, ils étaient ça, ils sont sous le charme. Ils ont dit, putain, c'est qui, là, lui, il faut qu'il traîne avec nous, il faut qu'il vienne à la boum. On allait dans le hall en face, et puis nous, on lui a montré des pas de break que je pourrais plus faire. Ouais, il m'a montré un pas de break, mais avec ça, là. On se réunissait ici, on s'asseyait, on a ramené nos téléphones ou un petit poste radio, on mettait l'instru, on faisait des freestyles, machin. Il y a des idées qui arrivaient, je faisais du beatbox. Et voilà, ça partait sur un son, un morceau. Ils vont nous jouer tous les morceaux qu'ils ont joués en live. Et on va voir si on valide ou pas. Voilà, tout simplement. Je reste debout, allez. En mode jury, là. Là, ça va juger chaud, là. Ils ont l'impression, les... Deuxième essai avec ce titre, Je reste debout. Ce que vous entendez est la version de l'album produite avec des machines. Ça fait mal, mais je reste debout. Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout, mais... Gims oriente le guitariste. Parce que tu rajoutes une... Non, en fait, parce que là, tu rajoutes, en fait, tu le fais gros, groover. Il est bon, mais c'est pas... Les instruments donnent plus de chaleur et de force au morceau. Le groupe est emballé cette fois-ci. Tu vois, par exemple, celui-là, il fonctionne vraiment bien, celui-là, en live. Celui-là, c'est un morceau, il est très émotionné, ce morceau, il est fort, tu vois, sentimentalement. Et là, le live, justement, ça renforce vraiment l'émotion, tu vois. Donc sur un morceau comme ça, ouais, c'est super important de le faire en live. Même nous, on est... Leur public va-t-il être aussi enthousiaste? De ouf, c'est exactement ça.